L'exquise extase de l'attente solitaire. Quand reviendra-t-il? Quand viendra-t-il? Viendra-t-il? Dans les plis et les drapés, depuis les doigts jusqu'aux pieds, savoir attendre, s'entendre. Du chignon à l'éventail, penser au plaisir. Joie d'offrir, envie de s'offrir, bonheur en partage, bonheur de n'être pas sage, même s'il n'est que de passage. Il a retiré le harnais de son cheval. Il s'approche, viril. Là-bas, si près, si loin, elle sera docile. Le dos bariolé, les muscles soulignés. Que de douleurs il fallut pour cette débauche de couleurs, ce luxe de formes et de détails pour graver son amante dans sa peau. Il va lui falloir se rhabiller, cacher cette profusion d'images, endosser un habit de fête. Être un dans une étreinte, ne pas laisser le désir s'éteindre, puis s'étendre aux côtés de sa tendre, jouer des révélations progressives, feindre la surprise, devoir ce regard partagé d'une main sur deux seins. Se prendre au jeu des peaux furtives, des yeux fugaces, des corps curieux. Ne pas rester à sa place et ne pas trop attendre du hasard. Deux bouches, quatre lèvres, l'éternité dans un instant de plaisir, l'éternité du plaisir en cet instant, pour un abandon effleuré, un effleurement abandonné. Allons, tirons le rideau et laissons nos amants enfin seuls.